Bonjour à tous, bienvenue sur les chroniques du blindage, revue de boîte et très belle nouveauté. Alors, pas du blindé, de la voiture au 1/24e de chez Meng avec la BMW Z4 M40i. Alors, produit officiel de chez BMW, comme vous pouvez le voir, il y a le petit hologramme. Alors, si l'envie vous dit de vous offrir un petit cabriolet pour l'été, c'est le moment, c'est l'instant. Alors, modèle sorti en 2021 chez BMW, pas chez Meng. Hein. Chez Meng, on est en 2022. La revue ne date pas d'un an, bien évidemment. Avec son 6 cylindres, 3 litres, 250 chevaux. On va voir ce que la notice de montage contient. Une notice de montage qui reprend le box art, l'échelle 1/24e. On nous rappelle que c'est une BMW Z4 M40i. Toutes les précautions d'emploi. En français, chinois, espagnol, toutes les langues que vous voulez, si jamais vous voulez vous exercer. Encore une fois, les précautions d'emploi, un petit peu de publicité pour leurs accessoires, je dirais leurs outils, en collaboration avec DSPIAE. Et on attaque le montage. Alors, c'est des vues qui sont relativement, c'est clair, net et précis. On a le châssis de la voiture, enfin la coque inférieure de la voiture qui est en une seule pièce. On vient poser les amortisseurs, la pièce qui permet de faire bouger les roues de gauche à droite. Ici, on a la barre de direction, différents renforts, les disques de frein avec pinces de frein intégrées, le système de moyeu. On installe tout ça et la partie avant est finie. Alors le moteur n'est pas représenté entièrement, par contre la transmission, enfin la boîte de vitesse qui est à l'arrière est représentée. Le berceau, le système de frein arrière, le différentiel, les arbres de transmission, du fait que c'est une propulsion hein, la voiture, le système de suspension. À l'arrière, les vues sont bien représentées hein, avec les codes couleurs. Ensuite, on vient poser le système de le bloc de suspension hein, qui est représenté comme ça. Alors, vous avez des flèches L et R pour gauche et droite. Ici, nous avons l'échappement qui est en une seule pièce, hein, si je dis pas hein, deux avec le raccord, mais une seule pièce en elle-même. Un renfort arrière, un deuxième renfort, les jantes et les pneus. On nous signale, attention, c'est des pneus qui sont asymétriques. Et on commence avec l'intérieur. L'intérieur, c'est sous une forme de baignoire, deux pièces à encoller. Vous avez la coque qui soutient l'intérieur en une seule pièce. Les sièges, avec quelques pièces qui composent les deux sièges. L'installation des sièges. On a les ceintures de sécurité avec je ne sais pas comment ça s'appelle, mais du moins ce que vous mettez dans l'attache ceinture, voilà, en photodécoupe, ainsi que la ceinture en elle-même qui est en tissu. Le volant, tableau de bord, les commodos, la représentation en décal du compteur digital. On pose le tableau de bord sur la baignoire d'intérieur. Les panneaux de porte avec attention différentes teintes hein, à voir maintenant. Vous pouvez toujours vous inspirer sur le configurateur de chez BMW pour les teintes carrosserie et les teintes intérieures. Ça peut toujours être une très bonne idée. On vient installer l'intérieur et on attaque ce qui sert de coupe-vent, la vitre ainsi que les arceaux de sécurité. La partie arrière qui comporte je ne sais pas quoi exactement, hein, dans la réalité c'est une grille. Je suppose que ça doit être le système de capote, enfin c'est pas c'est soit oui, le système de fermeture de capote. On installe les arceaux et le coupe-vent et on attaque sur la carrosserie, préalablement peinte hein, bien évidemment, les grilles d'aération, les phares qui sont avec pas mal de pièces, hein, des phares LED hein, à l'origine. On a les vitres. Alors on a aussi les masques hein, qui sont fournis avec.
On appose les essuie-glaces, on vient installer les phares par l'intérieur, tout le bloc pare-brise, la calandre, le porte-plaque, les rétroviseurs, vous avez vu, hein, c'est assez détaillé. Vous avez les lentilles de clignotant, les miroirs, les poignées de porte, les feux arrière aussi en deux pièces, les catadioptres, le troisième feu stop, et on vient assembler le bas et la carrosserie. Ensuite, vous avez le choix, soit décapoté, soit capoté. Vous avez la capote fermée ou la capote, oui, enfin fermée dans son rangement, donc ouverte. Et ici, vous avez la capote fermée avec le système de renfort, la vitre arrière. Et ici, vous avez les vitres latérales. Et le modèle est terminé. Alors, bien évidemment, on nous l'a représenté en rouge comme sur les box art ou en bleu. Mais comme je disais précédemment, vous pouvez toujours aller voir sur le configurateur BMW pour vous inspirer un petit peu des teintes d'origine. Ou alors, vous pouvez partir sur une teinte qui est totalement inédite. Au niveau des couleurs, on est sur du Menck en collaboration avec AKA et de l'Acrition. Les références de toutes les pièces, hein, vous avez vu, vous avez une, deux, trois, quatre grappes, le châssis, la carrosserie, les sièges, les pneus, des décals un peu plus évolués, de la photo découpe, des miroirs, des masques et les ceintures en tissu. On va voir ça tout de suite. On va directement attaquer avec la grosse pièce, hein, qui est la carrosserie. Vous avez vu, elle est dans un plastique. Le plastique est gris, mais très 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 clair. C'est pas forcément évident. En même temps, vous voyez bien les reflets. Alors, c'est très très bien moulé. Il y a juste, bon, ce qui est tout à fait normal, hein, il y a, comment dire, il y a une ligne de moulage ici. Alors, elle n'est pas trop trop importante. Hein, juste en venir poncer, puisque ce n'est pas l'ouverture du capot. Hein, le capot s'ouvre ici et sur le côté. Hein. Et ici, elle part. Et alors, vous retrouvez une ligne de moulage qui se situe. Hop, je ne sais pas si on zoome. Voilà. Qui se situe ici. Alors, les petits points ici, c'est les capteurs de stationnement. Hein, ce n'est pas des points d'injection. Elle prend le béquet arrière. Vous avez vu. Bon, maintenant, pour les personnes qui sont habitués à faire de la voiture, c'est pas inhabituel, hein, ces lignes de moulage. Je pense qu'au niveau de la technologie, ils n'ont pas encore réussi à avoir une technologie beaucoup plus approfondie pour éliminer cette ligne tout en faisant une coque entière. Alors vous avez vu, les formes sont vraiment très très bien respectées. Alors j'ai déjà eu l'occasion de voir ce véhicule en vrai. Bon, maintenant je n'ai pas sorti mon mètre, hein, pour voir si c'est identiquement la même chose, mais du moins les formes. Pour moi, sont très très bien appréhendés. L'intérieur, rien de spécial, hein, puisqu'au final, de toute façon, on va rien voir, puisqu'il y a la baignoire qui contient l'intérieur de la voiture, et là, il n'y a pas de moteur. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, vous avez une deuxième pièce qui comporte le châssis. Encore une fois, hein, l'intérieur ne se verra pas. Et vous avez le dessous. Alors vous avez vu le dessous, je ne sais pas où est l'avant. Voilà, je pense ici on a l'avant et ici on a l'arrière. Oui, c'est bien ça. Au niveau de l'arrière, puisqu'elle est sortie d'échappement, alors vous voyez à l'heure actuelle tous les moteurs sont cachés, donc je suppose que c'est pour ça qu'ils ont choisi de ne pas représenter le moteur, puisque de toute façon on ne l'aurait quand même pas vu. Sauf si Meng aurait choisi d'ouvrir le capot moteur. Alors vous avez vu, c'est ultra détaillé. Alors bien sûr, on ne le verra pas. C'est très très bien détaillé. Ici, un petit point d'injection. Faudra venir éliminer ça. Tous les panneaux pour faire un fond presque plat de la voiture sont bien représentés. Même la structure à l'intérieur du garde-boue sont représentées. Alors ici, une petite pièce à venir enlever. Hein, ici, alors. Pas de flash, pas de retraçure, on est habitué à Meng. Hein. On a ici une première grappe. Hop.
La caméra est un petit peu fainéante aujourd'hui. On a une première grappe hein, qui comporte les rétroviseurs, les jantes. Alors je trouve ça, c'est une très bonne idée de la part de Meng. Hein. Il n'y a pas de pièces chromées dans la voiture. Les jantes ne sont pas chromées originellement, elles sont très très métallisées. Mais elles ne sont pas. Voilà. Certains les représentent en chrome et c'est toujours un petit peu. Surtout avec les très très bonnes peintures chrome qu'on a à l'heure actuelle, c'est un petit peu dommage quand on les a en chrome, on doit s'amuser à les déchromer. Hein. Alors rien à envier par exemple à la BMW Moto hein, que j'avais fait précédemment. Les personnes qui font du civil peuvent toujours aller voir. C'est toujours de la très très belle qualité. Hein. Bien évidemment, il y a une petite ligne de moulage, ce qui est tout à fait normal. Hein, puisque de toute façon, si on achète un kit pour ne rien faire dessus, autant acheter une boîte de Lego. Hein. Ici, on a un kit qui est clair, net et précis. Mais avec un petit peu de travail, mais sans défaut. Ici, on a le différent, une partie du différentiel. Alors, les jantes sont vraiment très, très belles. Vous avez vu, la forme est quand même assez complexe, hein, puisqu'elles sont concaves. Alors à voir, puisque je pense que. Non, j'allais dire une bêtise, je pense. J'allais dire qu'elles étaient plus larges à l'arrière qu'à l'avant, mais non. Ici, on a encore une partie du différentiel. Hein. On a les parties commodo du volant, les essuie-glaces qui sont bien représentées. Alors, on a ici les disques. Alors les petits ergots ici, je pense que ça doit être en fait une fois que vous remettez l'autre partie du disque, c'est pour faire le disque ventilé. Vous avez vu l'arrière du volant aussi bien représenté avec les petites alvéoles de maintien de main. Une autre grappe avec la ligne d'échappement, la calandre, les grilles du dessous, les panneaux de porte, la boîte de vitesse, les phares et quelques petites autres pièces. Hein, le système pour venir faire tourner les roues. Ici, on a la ligne d'échappement avec les sorties hein, qui sont bien représentées aussi. Elles sont bien creusées avec un lavis noir, vraiment très noir. Il y a moyen de faire illusion ou alors tout simplement percer en oblique, hein, puisque vous avez vu en fait la sortie est presque fausse, hein, juste percer en oblique et vous aurez presque l'illusion. Alors au niveau de la calandre, elle n'est pas ajourée réellement, mais le plastique est tellement en profondeur qu'on pourrait le croire. Pareil pour les grilles devant d'aération avant. Ici vous avez les capteurs, hein, les capteurs avant. À l'heure actuelle, toutes les voitures sont équipées. Hein. On a les panneaux de porte, hein, c'est très bien représenté avec les poignées, le verrouillage anti-carjacking, les réglages des sièges et autres. Très belle pièce aussi, on a les phares, hein, qui sont vraiment bien représentés. On a la boîte de vitesse en deux parties. Et ici, quelques petites autres pièces qui sont de la même qualité de moulage que tout le reste. Dernière grappe de plastique gris, voire blanc, hein, je dirais. On a la partie avant qui va venir recevoir le pare-brise, le renfort de capote. Ici, on a les deux parties pour refaire l'intérieur, la capote repliée. Ici, c'est ce qui est en dessous de la capote repliée et le tableau de bord. Alors, on voit. Le blanc, c'est jamais évident. Vous voyez, la capote est très très bien tendue. Alors, elle n'est pas texturée, hein, mais je pense, si j'ai bien, dans la réalité, c'est une matière qui est quand même relativement lisse. Hein. Vous voyez ici, c'est quand même très très joli. De le tableau de bord. Eh bien. C'est bien fichu. Honnêtement, les grilles d'aération, les haut-parleurs. Alors ici, on a l'intérieur hein, avec le système
e-drive hein, pour les personnes qui connaissent BMW. Et ici, vous avez l'arrière avec le système de haut-parleurs. Et le renfort le renfort ou du moins le système d'ouverture et de fermeture de la capote. Hein. Alors, même l'intérieur, vous avez vu, l'intérieur est bien représenté. Alors, à l'intérieur de la capote, il y a une petite pastille d'éjection ici et une là. Les autres pièces, il n'y en a aucune, pour ainsi dire, sur la partie visible. Ensuite, vous avez aussi les sièges, qui sont tous deux individuels. Alors, une très belle forme, hein. C'est une forme vraiment assez particulière. Vous avez vu ici, il y a la ligne de moulage, donc à venir poncer. Et à l'arrière, il y a l'autre pièce qui est sur l'autre grappin. Alors, à ne pas se tromper, hein, quand on les met, vous avez vu, les ergos, logiquement, ne sont pas les mêmes, mais ici, vous avez le système de réglage électrique. Alors, bien évidemment, deux sièges. Les pneus, il y en a quatre, hein, bien évidemment. Alors, ils l'ont dit, en fait, ils doivent être comme ça sur la voiture ou dans l'autre sens, mais ils ne sont pas tous les deux dans le même sens du fait que c'est des pneus asymétriques. Alors, il n'y a pas vraiment de marquage sur le pneu. Il y a juste quelques petites inscriptions pour dire de faire... pour dire de faire illusion. Alors les personnes qui veulent pousser le détail, nul doute que certains constructeurs d'aftermarket se lanceront là-dedans. On a des polycaps. On a la partie de plastique transparent que j'avais laissée dans la pochette hein, pour ne pas les abîmer. Vous avez vu, c'est ultra transparent. Il n'y a pas de griffes, c'est très très bien protégé. La lunette arrière avec le système de dégivrage. Ici, vous avez des petites loupiottes. Hein. Je ne sais pas vous dire où ça va. Ici, vous avez la glace des phares arrière, les phares avant, le coupe-vent, le troisième feu stop, les vitres latérales. Et ici, vous avez les répétiteurs latéraux qui se trouvent dans les rétroviseurs. Alors, c'est vraiment hyper limpide. Vous avez vu, il n'y a pas d'effet de loupe ni rien. Je vais le remettre dans le plastique pour ne pas l'abîmer. Ensuite, on trouve deux petites pochettes comme ceci dans la boîte. Alors, on va voir. On a les masques hein, ici. Alors, il n'y a pas de masque pour les vitres latérales, puisqu'en fait, les vitres latérales viennent s'en ficher. Viennent s'en ficher dans la porte. Alors, il y a le masque pour la vitre avant, du fait le pourtour du carreau doit être noir. Voilà, petite explication. Même chose pour le coupe-vent, le pourtour doit être noir. Ensuite, vous avez les petits miroirs, hein. Les petits miroirs pour les rétroviseurs de part et d'autre et le rétroviseur central. Les deux petites attaches pour la ceinture de sécurité. Alors, vous avez vu, de la photo découpe, mais sans tenon. Vous allez enlever le plastique et les deux petites pièces vont se détacher toutes seules. Vous avez les ceintures de sécurité qui sont en véritable tissu, oui. Je vais regarder parce qu'on aurait... Je sais pas si on peut s'en apercevoir. Voilà, on a du véritable tissu. Alors, vous avez vu, c'est légèrement cranté hein, sur le côté. Je suppose que c'est pour faire joli ou tout simplement pour que la maille ne se dépasse pas. Voilà. Ensuite, on a dans cette petite pochette un petit peu de décalque. Hein, de décalcomanie, bien évidemment. C'est une voiture, c'est pas un blindé. Hein. Alors, on a les décals, un peu comme les personnes qui ont suivi sur la moto BMW, on a des décals qui sont un peu plus perfectionnés que des décals traditionnels. Alors, ils sont légèrement en relief. Et alors, surtout, c'est des décals, vous avez vu, avec du chrome. Le pourtour des sigles, le sigle M40i, ainsi de suite. C'est vraiment très, très, très joli.
Ici, bien évidemment, vous avez les décals, somme toute, un peu plus. Enfin, les décals traditionnels, hein, vous avez ce qui. Pour mettre sur les plaques, la plaque avant et arrière, sauf si vous voulez mettre, imaginons, votre immatriculation dessus, hein, tout est possible. Hein. Vous avez le compteur entièrement digital et le système de navigation. Voilà, petite conclusion de cette très très belle maquette et très belle voiture. Hein. C'est une très belle voiture. Alors, je remercie Sylvain et Meng de nous avoir envoyé cet échantillon. Alors, Sylvain, s'il regarde cette vidéo, la prochaine fois, tu peux m'envoyer la vraie. Hein. Ce sera un peu plus sympa. Pour la revue, c'est pas grave, on s'en sortira, on sortira les caméras. Alors, bien évidemment, ce kit est disponible à l'heure où je vous parle en précommande sur le site de Domino. Il est à une 50 ou 55 euros. Et après, une fois le kit sera disponible sur le site, il sera un petit peu plus cher, bien évidemment. Alors, laissez-vous tenter si cette BMW vous intéresse. Je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.